Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High Tech. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une petite vidéo sur les applications Google Home qui viennent ou qui sont tout juste sorties il n'y a pas très longtemps. Comme à mon habitude, je vous les présente pour que vous puissiez être au courant de toutes ces nouveautés qui peuvent bien sûr intéresser certaines personnes et d'autres moins. Mais dans toutes ces applications, il y a sûrement quelqu'un qui aura besoin de l'une ou de l'autre. Les nouvelles applications, les nouveautés sur Google Home, c'est parti! Voilà, donc on va commencer par une application qui est vraiment très sympathique, qui va être pour les mamans, une application pour les enfants. Et cette application est super géniale. Vous allez pouvoir endormir vos enfants. Par exemple, ici, je pense aux mamans ou aux grands-parents qui n'ont pas trop la possibilité de lire sur des livres. Vous allez pouvoir donc lancer de belles histoires à vos enfants grâce à votre Google Home en demandant à notre Google Home de lancer les petites histoires. Bonjour, je suis contente de te retrouver. Aujourd'hui, j'ai très envie de te raconter l'histoire du livre de la jungle. Veux-tu que je te raconte cette histoire? Oui. Okidoké, aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du livre de la jungle. Cette histoire t'est contée par les petits amis. Le livre de la jungle. Il était une fois un père loup qui allait à la chasse au cœur de la forêt pour nourrir sa famille. Arrivé dans les bois, il entendit un bruit. Il regarda autour de lui et aperçut un petit bébé tout seul au milieu des buissons. Mais c'est un petit homme, se dit le loup étonné. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire du rat de ville et le rat des champs. Cette histoire t'est contée par les petits amis. Un jour, un rat qui vivait à la ville alla rendre visite à l'un de ses amis. Son ami avait quitté la ville depuis longtemps pour s'installer à la campagne. Voilà, ça va vraiment ravir beaucoup de parents, je pense. Les petites histoires, demandez ça à votre Google Home et endormez vos enfants tranquillement avec de belles histoires. Profitez bien de cette application. On va avoir pas mal d'applications quiz et ici, on va demander à notre Google Home de parler avec FIFA World. Ok, je vous mets en contact avec FIFA World. C'est un plaisir de vous retrouver dans FIFA World, faisant travailler votre mémoire. Pour ce jeu, je vais vous poser quelques questions sur le thème football. Très bien, voici la première question. Quand le Conseil de l'Association internationale de football a-t-il été créé? 1930. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Alors, quelle est votre réponse? 1950. Ah non, pas de chance pour cette fois. La réponse est 1886. Passons à une autre question. Voilà donc là aussi, si vous êtes un amateur de foot, vous allez vraiment vous régaler avec cette application FIFA World, une application qui va jouer avec vous sur les différentes dates importantes sur le foot. On passe tout de suite donc à la troisième application, interview rapide. Bien sûr, voici interview rapide. Ça me fait tellement plaisir de jouer interview rapide avec vous. Attention, c'est parti, première question. Swift est construit sur C-ba-ba-ba, HTML, ou Objectif C? Objectif C. Absolument, question numéro 2. Quelle commande affichera toutes les commandes disponibles dans ce mode particulier? Interface, ou... CMD. Le navigateur iPhone prend-il en charge les applications Flash? Non? Oui. Alors, cette application est une application pour les passionnés d'informatique. Vous allez pouvoir donc, avec interview rapide, avoir des solutions, des questions via tout ce qui concerne le monde informatique. C'est vraiment génial. Testez-la. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, on passe à la suite, puisque aujourd'hui, il y a pas mal d'applications qui sont sorties. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne. On est donc à 11 000 abonnés. Merci à tous de me suivre, de partager mes vidéos
et de les liker. Est-ce que vous êtes un amateur du feuilleton de la série Friends qui passe donc sur votre télé? Et ici, on va pouvoir avoir un jeu quiz grâce à cette application. On va tout de suite demander à notre Google Home, quiz sur Friends. Bien sûr, voici quiz sur Friends. Quel plaisir de vous retrouver pour jouer le Friends jeu questionnaire. C'est parti, inspirez profondément. C'est votre première question. Quel était le nom de la danse interprétée par Ross et Monica au réveillon du Nouvel An? La pratique, la routine ou le typique? La routine. Chapeau l'artiste. On passe donc à la suivante. On va maintenant parler de département et on va demander à notre Google Home, département français. Très bien, je vous mets en relation avec département français. Bienvenue. En quelques mots, je peux vous donner le numéro d'un département à partir de son nom et inversement. Par exemple, demandez-moi quel est le numéro de département des Bouches-du-Rhône ou quel est le département 44. C'est à vous. Quel est le département 54? Le nom du département 54 est la Meurthe-et-Moselle. Avez-vous une autre question? Quel est le département du 62? Le nom du département 62 est le Pas-de-Calais. Avez-vous une autre question? Quel est le département du 11? Le nom du département 11 est l'Aude. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces applications qui arrivent sur notre Google Home. Parlez avec intelligence artificielle Trivia. Je vous mets en relation avec intelligence artificielle Trivia. Bonjour, c'est l'heure du intelligence artificielle Trivia. Attention, c'est parti. Une première question pour vous. Quelle est la règle de l'agent simple réflexe? Règle l'action condition, règle simple action ou aucun d'eux? Aucun d'eux. On a donc fini avec toutes ces applications. Je vous mettrai comme d'habitude dans la description toutes les applications que l'on a testées dans cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez donc à vous abonner à la chaîne Vision High Tech, à liker, à partager. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous !